Importante journée diplomatique aujourd'hui à Paris. Jacques Chirac et le secrétaire général des Nations Unies ont discuté du blocage de la situation au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens. Par ailleurs, le vice-premier ministre irakien Tariq Aziz, en visite à Paris, s'est entretenu avec le même Kofi Annan. L'Irak se plaint du maintien de la pression militaire américaine aux frontières du pays et les survols du territoire par des escadrilles d'avions et d'hélicoptères toujours basées au Koweït et dans les Émirats arabes.